Salut à tous, salut à tous. Bon bien, voilà la première vidéo de ma chaîne Ball of Knives. Donc aujourd'hui on va parler d'un premier couteau d'un artisan que moi personnellement j'adore, qui s'appelle Bastien Bastinelli. Voilà la petite carte, logo, voilà. Je sais pas si on voit bien, on voit bien. Et donc on va parler du premier couteau que moi personnellement j'ai acheté de sa production. Donc il s'agit du Raid, le Raid qui a été créé pour les forces d'intervention du Raid en France, comme plutôt un utilitaire, mais qui peut aussi servir tout à fait en combat rapproché, hein. Voilà, donc on est sur une construction plate semelle, voilà. Voilà. Acier N690 cobalt, comme beaucoup de couteaux de chez Bastien Bastinelli. Petit logo sur la lame de chez lui, voilà. Voilà, je rapproche un peu pour qu'on voit bien. Voilà, donc excellente prise en main, manche en G10, étui Kydex, voilà, comme vous pouvez voir. Après, ici j'ai mis une petite dragonne, enfin une dragonne, j'ai mis un petit ruban aux couleurs de la France pour bien rappeler que c'est pour une unité d'intervention française, voilà, et que c'est un artisan français, donc qui s'est exporté aux États-Unis maintenant. Voilà, donc moi personnellement, un couteau que j'adore, grippe sur le dessus, là, voilà, lame de 11 cm, voilà, hein, au total, évidemment, possibilité de faire un contre-tranchant. Je sais pas si on voit bien ici, voilà, là on voit ici. Possibilité de faire un contre-tranchant, tranchant de 10,6 cm, voilà. Donc livré affûtage rasoir. Alors je sais qu'il n'est pas récent, il est sorti il y a quelques temps maintenant, hein, voilà. Mais comme c'est ma première vidéo sur ma chaîne que je viens d'ouvrir aujourd'hui, je voulais parler de ce couteau-là particulièrement parce que voilà, c'est un de mes fétiches. Moi, il m'a beaucoup plu, voilà. Et puis après, j'ai découvert l'univers de chez Bastien, donc de Bastinelli Création, voilà. Et je posterai d'autres vidéos avec tout un tas de produits de chez lui, voilà, qui sont pour ma part tip top. Donc là, petit test papier, voilà, hein. Comme on peut voir, ça coupe, hein, on peut y aller, ça coupe quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi je recommande à tous ceux qui aiment les lames un peu tactiques, les petites lames discrètes, les couteaux qui sont typés martial, voilà, je recommande Bastien Bastinelli. Donc voilà, vous tapez ça sur internet et vous allez tomber sur son site, nouveau site maintenant d'ailleurs, qui a été refait. Voilà, donc petit étui Kydex, donc qui va bien. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Alors moi j'ai aussi opté personnellement pour un holster de chez Écailles de Dragon, qui sont donc en partenariat avec Bastien sur tout un tas de possibilités d'étui. Donc je sais pas si on voit bien, mais voilà, petit holster d'épaule. Voilà. Donc holster qui va super bien. Comme on peut voir, voilà, le couteau est là, il se porte bien, voilà, on sent presque pas, donc clac, voilà, un simple clic et on l'a en main et on peut y aller. Voilà, donc le raid de chez Bastien Bastinelli. Salut à tous, merci.